Gagner, donc, passera par beaucoup de choses. Gagner parce que on va aller le plus loin possible. On ne veut pas se limiter à participer. On veut faire le mieux possible. On veut déjà donner à nos joueurs dès aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps de faire la causerie. Il y en a 5 qui sont partis faire les examens médicaux, les 5 du DCMP. Et quand ils seront là, dès la fin, je leur dirai ce que je veux, c'est-à-dire qu'on se mette déjà dans la tête qu'on va pour faire le mieux possible. Alors coach, vous avez publié la liste, mais ce matin on apprend. Je n'ai jamais intervenu sur mes choix, ni le classement, donc je n'ai absolument aucune pression. La seule personne à la limite qui pourrait me faire la pression, c'est lui. Et non, aucune pression, zéro pression. Il se trouve que pour sortir cette liste, j'ai travaillé de concert avec tous les entraîneurs de la Lina Foot. J'ai appelé tous les entraîneurs de la Lina Foot, j'ai parlé avec eux, déjà par rapport à la liste des présélectionnés, et je leur ai demandé de me faire aussi un petit travail, c'est-à-dire que chacun me donne son 11 idéal de la Lina Foot. Donc on a bien discuté et puis après j'ai sorti une liste par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ce que j'ai vu, mais aussi en tenant compte de certaines réalités, c'est-à-dire que moi je vois les joueurs au travers les matchs que je joue contre eux, mais c'est un match. Mais le mieux, ce sont les entraîneurs qui sont en place, qui connaissent mieux leurs joueurs. Donc ils m'ont donné des renseignements très intéressants, qui m'ont permis aussi de peaufiner ma liste. Bon, quand il s'est agi de remplacer deux joueurs qui sont indisponibles, donc j'ai fait appel à deux autres, tout simplement. Quels seront les programmes jusqu'à... On part demain en Tanzanie, faire le stage là-bas, parce qu'on a un match amical à y jouer le 12. On a un match amical le 12, et après, on reste là. Et puis à partir de la Tanzanie, on va au Cameroun pour y arriver le 15, deux jours avant notre match contre le Congo-Brazza. Donc il y aura de l'observation face à nos adversaires qui sont en train de jouer, notre adversaire direct notamment. Du premier match, c'est le Congo-Brazza qui a joué aujourd'hui au Rwanda et qui rejoue dimanche aussi. Et il y a les images du Niger aussi, donc il faut qu'on prenne les renseignements nécessaires pour pouvoir faire tout pour gagner... se qualifier déjà. Coach, qu'est-ce qui justifie ? On avait plusieurs choix, donc on a pensé d'abord au Gabon, et puis le premier choix, il y avait aussi un choix de rester ici au pays pour se préparer ici, mais en se préparant ici, on n'aurait pas eu les matchs amicaux internationaux, donc on a su conclure le match amical international en Tanzanie, et puis le vol direct de Dar es Salaam jusqu'à Douala nous a intéressés, donc voilà un petit peu les choses qui ont justifié cela. Vraiment sur les différents adversaires. Vous avez vu le Congo-Brazza ici. On a revu un petit peu les images. On a gagné 1-0. Mais quand on a revu les images, parce qu'on voit toujours mieux en revoyant que quand ça passe en direct, on voit qu'ils avaient une meilleure maîtrise que nous sur ce match-là. Donc ça sera un adversaire qui sera très difficile parce que ils n'ont pas de championnat, mais ils se sont regroupés depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et ils travaillent ensemble comme une équipe. Donc eux, ils ont déjà, je reviens sur votre première question, ils ont déjà la cohésion. Ils se connaissent déjà. C'est ce qu'on va essayer de créer rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous.